On se retrouve dans une vidéo test. Donc nous avons testé, pour ceux qui l'auront déjà vu sur le vlog, nous avons testé le KFC. Je vous mets une photo tout de suite. Ici. J'ai décidé que ça serait ici. Donc parlons franchement, ceci évidemment est notre opinion personnelle. Je précise que évidemment chacun a ses goûts et que ça, ce sont nos perceptions à nous. C'était pas bon. Je vais être honnête, la viande était très sèche, la sauce était inexistante pour la plupart du temps, et quand on en avait, elle était très poivrée, mais vraiment trop poivrée, quoi. C'est-à-dire, c'était, pourtant on est des fans d'épices, on mange des trucs super épicés, mais là, que ce soit pour moi ou pour mon chéri, c'était pas mangeable. Les frites étaient grasses, très grosses. La sauce pour les frites était une sauce très aillée, comme ça, enfin c'était vraiment, c'était pas bon. Donc nous, on n'a vraiment pas apprécié du tout. Mon chéri s'est tapé les deux parce que ben, on ne voulait pas acheter 18 boules, parce qu'en plus c'était quand même 19 euros, enfin presque 19 euros pour deux personnes. Les fameuses wings sont très piquantes, et en plus de ça, ce sont des ailes de poulet. Donc faites très attention si vous donnez à vos enfants, parce que les os sont dedans. Donc voilà, moi quand j'ai mordu dedans, raison que j'ai des bonnes dents, sinon je crois que je me serais cassé une dent. Mais voilà, donc c'est vraiment la poudre. Enfin, voilà, quoi. À côté de ça, le McDonald's et le Quick, évidemment, sont du 5 étoiles, quoi. Donc honnêtement, nous n'avons pas apprécié du tout le KFC, en tout cas au niveau de la nourriture. Ce que nous avons pris, nous, n'était vraiment pas bon du tout. Donc les frites étaient grasses et trop grosses, les wings, il y avait des os dedans, les hamburgers, la sauce était hyper poivrée, la viande était très sèche, la chapelure est très grosse en fait, et donc c'est vraiment pas bon. Pour ce qui est des boissons, mais comme je vous l'ai dit, à part le 7-Up qui était à peu près correct, le Pepsi, on sentait vraiment que c'était de la poudre, de la baie de poudre avec de l'eau dire gazeuse, qu'on ne sentait pas le goût spécifiquement du coca. Pour ce qui est de l'accueil, bah, c'était en Hollande, hein, donc on ne parlait pas beaucoup, mais enfin l'accueil était très bon, les gens étaient très agréables, on n'avait rien à dire là-dessus. Au niveau de la propreté non plus, c'était, voilà. Donc du coup, voilà, le KFC n'était pas évidemment le meilleur endroit, je pense, pour manger. Personnellement, voilà, je n'ai pas aimé du tout. Maintenant, comme je le dis, mon chéri est avec moi, il n'a pas aimé non plus. C'est un choix évidemment personnel qui n'engage que nous. Évidemment, chacun a ses goûts personnels, mais en tout cas, pour notre part, le KFC n'était pas bon au niveau gustatif, en tout cas, au niveau des sauces, au niveau de la boisson et au niveau des frites. Rien ne nous a plu. Donc voilà, je tenais donc à préciser ça, et faites très attention quand vous commandez là-bas des wings, parce que ce sont des ailes ou des pilons de poulet, et donc du coup il y a des petits os dedans, donc faites attention quand vous allez manger là-bas avec vos enfants, en tout cas. Donc voilà, pour moi en tout cas c'était un échec, c'est un flop complet, pour mon chéri c'est un flop complet aussi, et donc voilà. Donc, je vous avais promis cette petite vidéo où j'avais testé le KFC, je vous mettrai un petit morceau de la vidéo tout de suite. Pour finaliser la vidéo, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur nos Daily Vlogs. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook car je réponds très rapidement aux commentaires sur Facebook. N'oubliez pas de mettre les pouces en l'air pour que je puisse monter très vite dans la liste et avoir de plus en plus d'abonnés. Bye! Bonjour, pour de la voiture, on vient de goûter le KFC. Avant ma tête, vous doutez que c'est pas ça. Bon, c'est pas bon, soyons clairs. Le KFC, il faut oublier. Oui, hein, oui. Voilà. On aura testé pour vous, on s'est rendu malade. Oui, tu confirmes? Oui, mon mari confirme, on s'est rendu malade. Il a eu, en plus lui, il a dû se rappeler de cheese, les deux hamburgers avec le poulet là. Mais pourtant, là-bas, on mange beaucoup de poulet, on mange beaucoup de nuggets au poulet. On est très Giant, très Quick, très McDo. Enfin, on est vraiment difficile comme personnage. On mange de tout, mais, tout. Mais voilà, mon mari confirme, c'est totalement dégueulasse. Franchement, même le Pepsi limite. Enfin, je suis contente, j'ai pris un 7-Up, donc j'ai quand même sauvé ça. Enfin, faites attention si vous y allez, parce que les fameux fingers de poulet qu'ils vous mettent, il y a des os dedans. Donc voilà.
Donc faites attention à vos enfants, ne croyez pas que c'est des comme au McDonald's qui vont croquer et que c'est juste des nuggets. Non. Non, non, il y a des os dedans et c'est hyper, hyper, hyper. J'ai la lèvre qui brûle. C'est hyper, hyper dégueulasse. Et puis c'est les frites, c'est des poteaux pleins de graisse qui refroidissent très vite et qui sont pas bonnes. Et alors leur mayonnaise, laissez tomber. C'est moi, j'ai pas goûté, j'ai juste senti le goût, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'ail. Oui, mon mari a fait l'expérience de sa vie. Il a trempé une frite dedans, il me dit. Tout un délire Je là. suis revenu des toilettes, tu vois, ça t'a dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai goûté une frite dans la mayonnaise. Non, il faut vraiment pas. Non, franchement, en tout cas, bah, pour ceux qui aiment bien les amis, c'est chouette pour vous, mais en tout cas, nous, on restera sur du basique, du quick et du McDonald's. C'est même pas une question de ne pas avoir de goût, c'est une faute de goût, quoi. Oui, là, franchement, oui, c'est une faute de goût, mais c'est franchement pas bon. Donc voilà, on a testé pour vous, on s'est rendu bien malade. Enfin, moi, pas trop, parce que moi, j'ai rien bouffé, du coup, donc j'ai plus faim qu'autre chose, mais enfin, bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc résumons la situation, KFC, on oublie. Donc voilà, là on va essayer. Je crois que mon mari est en train de mourir. Ça va? Oui, ça va, Kevin, ça va. Donc du coup, voilà, donc là on va. Il fume une cigarette pour ça remettre de ses À la émotions. meilleure. Et ben, là on a la voiture, comme vous le voyez, on est sur le parking. D'ailleurs, le KFC doit être quelque part là, sur le côté. Oh, mais je suis là. Oui, mais il est là, donc voilà. Mais enfin, en attendant, bon, c'est pas très très bon. Ou sinon, ben là, on va essayer de trouver il y a un petit soleil, donc on va essayer de trouver Le le zoo. zoo Safari Bergamo Zoo, parce qu'on n'a pas été au zoo d'Anvers, parce qu'il faisait froid et puis que j'avais pas envie d'y aller sans les enfants. J'avais envie de découvrir ça avec eux. Et là, on va aller voir le Bergamo Zoo pour voir un petit peu comment est le safari là-bas. Et voilà. Je vous reprendrai tout à l'heure. Ciao, ciao.